C'est l'aventure. Allez, vas-y. Viens. Attends. Première chose, on va... Il faut que je récupère les... Ah non. Merde. Bah oui, on a dit quoi? On a dit bateau. Et l'encre, je peux la mettre tout de suite aussi. Ouais, je pense. Bah, tu mets d'abord le bateau, puis ensuite tu poses l'encre. Viens. On va voir. Lightning Conductor aussi, non? J'arrive. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Ok, donc comme ça on est... Tu vois ici c'est juste à côté de chez nous. Alors vous êtes prêts? Oh mon dieu. Vas-y. Pourquoi il... Vas-y. Oh, oh. Holy ah, oui. Shit. Oh là 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 là. Extend. Oh, mec, oh. Attends, je vais faire ça. Extend. Oh, c'est génial. Abandonner le navire. Ah, tu peux sauter. Oh, je sais pas, t'as vu mon perso comment il fait? Mais c'est dire quoi? C'est dire que tu sautes dans l'eau ou... Ouais. Elle saute pas dans l'eau, hein. Il y a des piranhas ou je sais pas quoi, non? Alors attends, maintenant. Regarde sa tête. Comment je pose l'ancre? Place. Ok, hop. Oui. Oh, oh. C'est trop stylé. Oh, oh là 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 là. Nice. Grave, okay. Le début. Grave. Et maintenant, où est-ce que je mets du coup le truc pour conduire? Enfin, pour conduire, la wheel. Au milieu. Alors déjà, faudrait peut-être que tu mettes les voiles et la voile au milieu. Ouais. Mets la voile au milieu déjà. J'ai pas de voile par contre, hein. J'ai pas de voile. Hein. Ah bon? Bah non. Ah bah non, on l'a pas fait encore. On l'a pas encore fait. Bah attendez, attends, on va la faire vite on fait. On va chercher. Ouais, bah, on fait... Non, on avait dit les araignées de toute façon. Ok. Okay, bon, par bah, contre, c'est bien, ça. Tu sais ce que t'as fait là, Lightning Conductor, je pouvais pas le crafter, c'est quoi du coup, ça marche comment? C'est de l'or, c'est tout, c'est 4 d'or. Mais tu le poses où ce truc là, ou t'en fais quoi? Tu mettras sur le mât, et ça permet tout simplement de faire paratonnerre sur ton bateau, sinon il prend la voile. Ah mais il faut que la voile soit déjà posée du coup, je pense. Ouais c'est ça, il faut la voile. Ah nice, je suis parti. Salut pour la voile, j'ai terminé mon fraisier pour demain. Ton fraisier? Ah oh bah GG, oh. Parce que fraisier... Oh, j'adore les fraisiers, mec. Ah, moi aussi, c'est vrai. C'est un truc que j'ai pas fait encore, mais que je dois faire en live cuisine, c'est un fraisier, mec. Oh, tuerie. Franchement, rien que d'en parler, ça m'en met l'eau à la bouche. Un fraisier, c'est... Un petit fraisier, là. C'est trop bon. Nous, pour demain, on va faire quoi? On va faire une bûche. Bûche praline maison. Moi, là, j'ai préparé un Paris-Brest. Oh, Paris-Brest, c'est trop bon, Paris-Brest. Après, on aura des bûches et tout, mais on voulait faire un petit Paris-Brest parce que c'est le truc préféré de mon père, donc forcément. Ouais. J'étais en mode, j'étais saucé, je lui ai fait goûter l'autre fois, il m'a dit, mec, il m'a fait. Putain, par rapport aux boulangeries. Oh le bâtard. T'as pas la crème, du coup, je lui ai donné juste la crème, tu vois, tellement il voulait juste manger. Paris-Brest. Du coup, on a fait plusieurs. Alors, on le fera aussi en live cuisine, je pense, le Paris-Brest, c'est cool. C'est pas la crème, c'est assez marrant à faire, mais c'est un peu relou parce qu'il faut caler du beurre pommade. Donc déjà, faut faire ton praliné toi-même, ce qui est extrêmement long. Ouais. Parce que... Ah, putain, attends, par contre, je crois qu'on va avoir 6 araignées en même temps. Wow, attends, j'arrive. Eh, mais mec, tu sais qu'une bûche maison, nous, on a regardé au niveau des recettes, etc. En moyenne, il faut compter 8 heures pour une bûche, mec. 8 heures? J'étais choqué, hein. Ouais. De ce qu'on a vu, là, en moyenne, les bûches, c'est 8 heures. Alors t'en as où ça prend 2-3 heures, mais sinon c'est 8 heures. Et j'étais en mode what the fuck, mais depuis quand c'est aussi long à faire quoi. Alors je suis avec toi baby. Je suis prêt à soulever là. Attends, pour l'instant il y a les pièges, hein, donc frappe pas. Hein. Ok, t'es sûr? On les frappe pas, hein, parce que si tu les frappes là, tu vois toutes les araignées autour, oui. Elles sortent et elles t'attaquent. Hein. C'est que des araignées tigres, hein, et c'est des 3 boules. Donc, ah bah c'est que du bonheur. Tu vois, je reste en ligne droite, exprès. Ouais, ok. Pour pas réveiller les autres, parce qu'elles sont toutes connectées, là. Ça marche. Ouais, nous aussi, on est connectés, bébé. Allez. Après, si tu voulais te faire des pièges, tu sais, on avait plein d'herbes et plein de twigs. Hein, donc... Ouais, mais bon, du coup, j'ai pas calculé. J'étais juste en mode, vas-y, viens, on va aller. Elles vont toutes sortir, là. Chest. Je fais un chest et je mets sur le bateau, parce que je sens que ça va forcément être utile, en fait. Bon, je vais poser les voiles. Vous construisez des murs un jour? Ouais, un jour. Combien? Hein. T'es prêt? Vas-y, baby. Je sens que ça va être stylé en plus. Je sais pas, je la mets une derrière, une devant, ouais. Ah, tu mets les deux? T'en mets pas une et je répète et on met une? Je sais même pas comment ça marche, en fait. Je sais pas. Parce qu'en fait, je peux les placer partout, la voile, hein, donc... Comment ça marche, les enfants? Je sais pas. Où est-ce que je mets le chest? Je sais pas, attends, je place la voile d'abord. Mais en fait, l'idée, c'est que soit j'en mets deux pour qu'on aille vite. Et du coup, hein, ça fait un peu à la raft. Et du coup,
Genre, je les place bien en avant, puis une derrière, puis on déroule. Mais moi, ce qui m'échappe, c'est t'as une voile et ensuite il y a de la durabilité et il faut la remplacer ou. Non, regarde. Tu peux en mettre qu'une seule? Non, je peux en mettre plein. Ah, ok. Écoute, laisse pour l'instant, laisse. Oh, c'est trop ouf. T'as vu, ça avance. J'avoue, pour l'instant, laisse, d'accord? Où est-ce que je mets le truc pour piloter? Là. Genre là où je suis. Ouais, attends, j'essaye. J'arrive pas. Putain, attends. L'espace, il est restreint quand même, hein. Attends, bouge pas, hein. Ah merde. Bouge pas. Place. C'est Chester qui te gêne. Peut-être. Place. Ah, j'arrive pas à le placer. Vas-y, montre. Ah, ça y est. Eh ben, il a galéré, mais on y est, hein. Il ouvre la voile? Hissez la voile. Oh, baby. Encore? Et comment on avance là? Ah, mais c'est normal, t'as lâché l'encre. Vas-y, on verra ça après. Et pose l'encre, pose l'encre. Mais elle est mise l'encre. J'ai pas l'impression d'ailleurs. Ouais. Ah si. Ah si. Elle était Attends, on bien. y va après, hein. On y va demain. Attends, je remonte la voile pour pas que ça bouge. C'est vraiment raft après, hein. C'est trop bien. Bon, j'ai pré-crafté un. Alors, Ok. pour faire un feu. Attends, parce qu'on peut mettre un cocotte et un feu là-dessus. Attends. Ah oui, Et on peut si. faire deux bateaux. C'est vrai qu'on peut faire deux bateaux si on veut. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Dans le chest, je vais mettre les petits trucs qui permettent de faire la. Voilà, les patchs de guérison du bateau, là, de réparation, pardon, sont là, ok? Le crockpot, je le pose tout de suite. Mais je peux pas placer. Attends, je peux pas placer le feu, moi. C'est vrai. Ah. Bah, je sais pas, t'arrives à fait toi? Bon, je repars là-bas hein, parce qu'il va faire nuit. Là-bas. Mec, le crockpot, on peut pas le poser sur le bateau. Ah Ouais, si. j'ai un. Oh Tu peux? là, attends. Oh là là, mais attends, mais il n'y a qu'un seul endroit où je peux le poser? Et en fait, c'est que le coffre, on a tout mis et n'importe comment, mais en fait, j'aurais dû mettre la voile très au fond, tous les trucs, enfin, tu sais, on aurait dû remplacer stratégiquement. Le croque-pot, il est mis. Mais il n'y avait qu'une seule, je dis bien une seule possibilité pour le poser, hein. Vraiment. Ouais, mais du coup, ça veut dire que le feu de camp, on peut pas. Attends, c'est la merde. Je pouvais pas le mettre ailleurs, le croque-pot, hein. Parce que si on n'a rien pour cuire, ça va être problématique, ça. J'avoue que je pouvais pas le mettre ailleurs. Ça fait plaisir quand même. Oui, alors attends, par contre, non, on n'a pas fait le bac à poisson là. Ouais. C'est quoi le truc pour le bac à C'est poisson? quoi? Pierre et rope. Ok, vas-y, je vais le faire. C'est bon? Ça va être rapide. Ouais, ça va être rapide à On faire. a de la... Ok. Attends, il me faut des cordes. Ce sont pas des pirates avec leur bateau camembert. Oh, attends. C'est bon, je l'ai. Bah. Je l'ai donc on pourra le poser. Enfin, je pourrais le poser, mais Pas voilà. poser un... Le problème, c'est que je peux pas poser un feu. Moi, j'ai ce problème-là. Hein. Va peut-être falloir qu'on passe un coup de masse, hein, peut-être sur le coffre. Hein. Oh bah vas-y. Je pense qu'il n'y a pas un vrai. Enfin, c'est pas. Tu penses que c'est ça qui fait chier? Écoute, ça coûte rien. T'as la masse ou pas? Alors, attends, ne bouge pas, ne viens pas sur le bateau. Merde. Par contre, enlève ce qu'il y a dans le coffre avant, au cas où. Hein. Ouais. Tu vois le crockpot où il est là? Je ne pouvais pas le placer ailleurs. C'est le seul endroit où j'ai pu le poser. Ouais, mais je vois ça, mais moi depuis tout à l'heure. Sinon, vas-y, un coup de massue hein, sur le chest, hein, tranquille. Hein. Enfin, moi, ça me dérange pas, hein, ça, je veux dire. Voilà, vite ce qu'il y a dedans, coup de massue. Et par contre, tu vas pas tout récupérer, mais c'est pas grave, le chest, on en fera un. Ouais, il te manque une planche, c'est pas grave. Ah non. Il a voulu péter la voile, la grande voile. Est-ce Du que. coup, il faut. Le Ah chat. voilà, et là je peux le placer là. Tu peux placer le feu? Bah vas-y, vas-y, Ouais. vas-y. Vas-y, dans ce cas-là. Place le feu. En fait, ces trucs-là, c'est les trucs les plus importants. Faut les poser en premier. Et puis les trucs genre le fire, etc., le chest, etc. Ça, c'est. Tu fais ça Alors je fais le après. coffre. Alors je te fais un coffre classique parce que il prend moins de place, je crois.
D'accord. Par contre, question, il faut... on fait un fridge ou pas? Par contre, Chester, je te jure qu'il gêne. Hein. Faut que tu partes avec Chester. Hein. Il prend toute la place du truc. Ça y est. Voilà. Attends, parce que là, en fait, j'essaie de placer mon le coffre. T'as vu, c'est galère hein, pour poser les trucs. Hein. Ah, mec, mais c'est pas possible. Ouais, mais je pense que t'as pas assez de spots pour mettre tout ce que tu veux, en fait t'es limité. Non mais sinon, osef hein, du chest, hein, mec. Hein. Mais si, on a besoin d'une chest. Pourquoi faire? Bah, pour stocker des trucs. Bah on a Chester, on le gave. Après tu vois, la voile, pareil, si on la met plus au centre et tout. Honnêtement, Chester, on blinde Chester d'items, c'est notre coffre, tu vois. Ah, c'est vrai que Chester il vient avec nous. Bah ouais, ça. Honnêtement, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Par contre, regarde, tu sais, dans les coffres, on a les pagaies et on a le fameux lightning conductor, là. Tu m'as dit que ça se mettait en haut, c'est ça? Ouais, ouais, faut essayer de le mettre, ouais. Alors attends, on va essayer de le mettre. Et moi j'ai encore un autre truc à mettre aussi, tu sais, hein, c'est le truc là pour les poissons frais, là. Alors attends, je vais essayer de le mettre. Ah, je pensais que c'était en mode easy peasy, mais une fois que t'es dedans, c'est pas comme ça. Hein. Ouais, non, il y a encore pas mal de trucs à gérer en vrai. Ah, regarde, ça j'ai pu le poser sans problème par contre. Le truc avec les poissons. Ah, c'est un coffre, mec! C'est un coffre. La boîte à sardines, c'est un coffre. Ouais, mais c'est pour les poissons. Oui, ouais, bon. Mais bon, en mer, on va trouver quoi, du poisson? On a pris les pagaies ou pas? Non. Ok, je les prends. Vas-y. Bon. J'en ai fait deux pour chacun. Par contre, du bois, j'en ai pas beaucoup. Attends. J'en ai trois seulement. Ouh, attends, je veux bien en brindille et en truc, hein, parce que... Attends, mec, il faut du bois pour faire du feu, mec. Moi, j'ai 9 de bois. Et après, on peut prendre les trucs de gloomer, hein, si je veux. Tu veux prendre un truc de gloomer? Bah ouais, parce qu'il faut quand même qu'on puisse faire des feux. De toute façon, je prends masse brindille et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des torches. Aïe, 4 pagaies. Écoute, on va s'en prendre une chacun, hein, je pense. Ouais, bah vas-y, j'en prends qu'une. C'est bon, t'as pris? Ouais, merci. Allez, et viens, on y va. Oh purée, t'es chaud ou pas? Bah, je sais pas. Par contre, bon, là, on part, il va faire nuit, hein, mais... Ouais, bah, de toute façon, faut bien qu'on y aille, hein. Comment ça marche? Je sais pas. Ici, la grande voile. Olé. Maintenant, levez l'ancre. Olé. Ah, je fais tourner, regarde. Yes. Eh, on peut taper. Merde, on pouvait taper les piafs. Et par contre, la pagaie, sert à quoi du coup? Bah, quand t'as pas de voile. Je sais pas. C'est trop bien, je peux tourner, mec. Mais franchement, c'est trop stylé, mec. Oh, non. Non, oh, regarde, c'est ça le bois qu'il nous fallait. Ah, vas-y, prends-le. C'est ça le bois qu'il nous fallait. Je sais pas. J'y arrive pas. Oh, je l'ai eu. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Et là, regarde, il y a un pot de confiture. Oh, message in a bottle, putain, c'est police. Ils sont là. En haut, t'avais un message in a bottle. Prends le contrôle de la voile. Ah! Tu veux que je fasse quoi? Et tu l'as mis le truc conducteur là? On va se cracher! En fait, faut attends, je suis surtout en train de dire comment est-ce qu'on éclaire en fait là. Si, on peut faire un feu. On peut faire un feu. Le message in a bottle, du coup, on en fait quoi? Je sais pas. Il était au-dessus. Ouais, vas-y, ok, au pire, on se balade pour l'instant et on voit. Tu mets du feu. T'as pris le truc de gloomer ou pas? Non. Non, je l'ai pas pris. Est-ce que le bois blanc là, tu peux le foutre dans le feu? Oui. Vas-y. Je le mets maintenant? Ouais. Merci Daddy Man. Merci Daddy Man pour le raid. Comme un frein, l'un des deux se met à l'encre en permanence. Ok. Ah. L'encre, c'est le frein. D'accord. Okay. Bah, moi, je dirige la voile et toi, tu. Je suis à l'encre. Merci beaucoup pour le raid en tout cas, yo. Je flippe de ouf. Ouais. Oh, regarde, il y a un truc là, vas-y là, le kelp. Foulancre. Ah. Ça y est. Oh, ah, mais voilà. Je suis trop loin là. Comment tu veux que j'aille? Bah, c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça me permet de tourner la voile, attends. Ah, merde. Ah, ok. Tu tournes la voile, je lève l'ancre, je repose l'ancre, on voilà. Retourne la voile. Oh là 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 là, c'est du séquentiel. C'est du séquentiel. Voilà. C'est du séquentiel. C'est du kelp. C'est du kelp, ça on en a besoin pour d'autres trucs. Ça se mange ou pas. Vas-y, c'est bon. J'ai enfin compris comment fonctionne la route. Ouais, je commence à comprendre. En vrai, c'est stylé en vrai. Hein. Vas-y, on a besoin du kelp et du bois. Et du coup, tu peux choper du bois comme ça. Stop. Ouais, t'inquiète. Voilà, toi tu prends l'ancre et tu ramasses les trucs. Attends, je tourne la voile. Vas-y. Voilà. Vas-y.
Apparemment, je pensais la pagaie. Hein. Je pensais que le bateau. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas essayé avec la pagaie. Ouais, on verra après. Là, c'est trop stylé de le faire comme ça. Le message de Bottle montre l'emplacement de l'île de l'ermite. Ah oh, vas-y, check le message in the bottle là. Message in a bottle, yeah. Vas-y, je veux une message in a bottle. Tu es prêt à mettre du bois dans le feu ou pas? Bien sûr. Bien sûr, genre. Ouais, genre oui. J'ai ouais, juste... t'en as. Non, ouais. J'ai juste à cliquer dessus et ça en met. Par, okay. Contre, par contre, c'est vrai que tu vois des poissons dans l'eau. Donc, est-ce que c'est des spots où tu peux pêcher, pêcher? Ouais, tu peux pêcher des poissons particuliers. Ou bon, prochaine message in a bottle, on récupère. Et lequel cuit est bon à manger? Attends. Merde. Prends le bois. Attends, je vais déjà mettre du feu. On va envoyer par. Examine soggy boat fragment. Je peux rien faire. Attends, si j'ai une masse, moi. T'as une masse ou pas? Ouais. Oh là là, vas-y. Oh, c'est des planches. C'est des planches, et ça permet de réparer ton bateau. Incroyable. Ah, c'est stylé, hein. Vas-y, je... Lève l'ancre. C'est trop stylé. Mec, j'ai l'impression que tu peux taper une phase comme ça pendant je sais pas combien de temps, mais c'est juste beaucoup trop stylé. Attends. Stop, mets l'ancre. Parce qu'en fait, on va se cracher. Non. De l'autre côté. C'est trop bon. Un peu du mal avec la roue des fois. Hein. Franchement, c'est bon. C'est super bon le système. Par contre, il faut avoir le temps quand même. Il faut que tu prévois le temps. Hein. En termes de bouffe, de trucs, il faut vraiment prévoir parce que c'est quand même lent. Hein. Naviguer la nuit peut être dangereux vu qu'on ne voit rien. Ouais. Salut, Whisky. Bien sûr. Et bonne nuit, tu as le temps. Et ben voilà. Il ne fait plus nuit. Ton vœu a été exaucé. Ok. Prends le bois. Bam. C'est trop bien. Grave. Je kiffe. Ouais. Par contre, t'as vu, regarde, maintenant, je vais pouvoir faire des pagaies avec utiliser le drift. Utiliser ma pagaie pour aller plus vite. D'accord. Ah. Je vais pouvoir utiliser le drift food pour faire des pagaies level up. Hein. Ouais. Et bah, par contre... Oh, message à la mer. Bouteille à la mer. Tourne. Yes. Par contre, c'est un peu overkill. Non, hein, utilise la pagaie. Ah ouais, ok, ça marche. Regarde. Oh, mais j'adore! Ah, par contre, tu te trempes! Ah, ouais! La durabilité, elle descend quand même vite, hein! Ok. C'est pas ouf! Non, c'est un peu de la merde en fait! J'en ai fait 4! Pourquoi j'en ai fait 4? Non, sérieux, pourquoi j'en ai fait 4? Eh, vas-y, viens, on va récupérer la message in a bottle! Oh non, t'es en diagonale! C'est bon. Attends, on est en train de se rapprocher. Non, ok, vas-y. Je l'ai. C'est ça, hein. Ah, j'ai mec. Pas compris. Oh, regarde, en mec. Fait, pour la voile, ça met du temps. Je l'ai, l'île de l'ermite. Je l'ai. Tu l'as? Ouais, alors, attends. Je vais poser l'encre. Enfin, je vais jeter l'encre. Ok, fais ta map. Vas-y. Ouais. Ok, dézoome au max. Et tu vas avoir une toute petite bulle tout à gauche. Il faut peut-être la carte pour la voir. Ouais, mais moi ça la use l'item. Elle est vide, la bottle elle est vide. Elle a use pour toi, bah il faudra qu'on en trouve une. Ok, tu as. En fait, en gros, si tu regardes la map, tu vois là où on a été fermé les araignées. Ouais. Et bah à gauche, où il y a une. Je sais pas si t'as pas. Ouais, t'as... Sinon, je check vite fait sur le retour de mon live, mais à gauche, t'as une petite bulle qui est apparue. Et t'as la. Tu l'as là en fait. L'île elle est là. D'accord, l'île est là. Ok. Ouais, à gauche de là où il y avait les monstres araignées, etc. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais ta map maintenant tout de suite, si on va tout en bas et on va tout à gauche, on peut remonter pour y aller. C'est ça que ça veut dire. Ouais, bah vas-y, on est parti. Hein. Alors quand tu dis qu'on est parti, est-ce qu'on pêche pour avoir de la bouffe? Est-ce que la bouffe là, tu me diras. Mais regarde, il y a des poissons là, tu veux pas qu'on teste la vérité? Bah vas-y, hein, si tu veux. Attends, j'essaye. Il suffit de fishing line. Il veut pas que je pêche? Ah mais c'est parce que toi t'as une canne à pêche des rivières mec. Ah oui j'ai la canne à pêche des rivières, putain quel con. Bon c'est pas grave, vas-y levez l'ancre, viens on se casse. Tu sais quoi, l'avantage c'est qu'avec ce qu'on a sur le bateau c'est qu'on peut s'arrêter près de la terre. Oh du sel. On a besoin de ça. Faut miner ça. Oula, c'est quoi ce truc par contre? Attends, il y a un mob, j'aime pas. Vas-y, relève l'encre, il y a un truc qui arrive là. Il y a un truc qui nous arrive dessus.
Il a 100 PV, c'est pas ouf, mais... Vas-y, tu veux le frapper? Il est trop loin, je peux pas. Attends. Vas-y, on va le défoncer. T'es prêt ou pas? Dès qu'il se rapproche, on... tu spam, hein. Ou castagne. Cookie cutter. Ok, viande D'accord. de monstre. Eh, sérieux, viande de monstre, par contre, c'est le bon plan, parce qu'il nous ramène à manger, hein. Okay. Je suis full inventaire. Oh non. Chester, je suis con. Allez, vas-y, on y va, on va péter le sel là. Non, il faut que tu ouais, tourne le. Vas-y. Prenez garde au cookie eater. Il essaie de perforer notre bateau, par contre, faudra qu'on voit aussi. Je connais pas la durée du bateau. 200, c'est marqué en haut à droite. 200. En haut à droite? Ah ouais, j'avais pas vu. Bon, ça va. Ouais, faut faire gaffe parce que le cookie eater, du coup, il peut essayer de défoncer notre truc. Tourne un peu. Ah mais là il y a beaucoup de cookie eater là. Oh ils sont nombreux mec hein. Oh. Ok. Levez l'ancre. Bon écoute on se casse hein. Pour l'instant ils sont nombreux ouais. Ouais ils sont nombreux. Et je suppose avec tout ça qu'il doit y avoir de magnifiques boss dans l'océan, non? Ouais il y en a qu'on peut croiser ouais. Et franchement un boss là ouais, je suis pas... Le seul on le prendra plus tard parce qu'il y a des mobs autour donc... Ouais le boss dans l'océan je serais déjà moins rassuré quand même hein. Que sur Terre, quand on fait nos kékés, qu'on les emmène vers les buffalo, etc. Là, dans l'océan, je pense que c'est quand même un peu plus tendu, hein. Non ouais. Après, vous allez me dire, oui, tu peux aller plus vite grâce aux pagaies. Attends, prendre une planche, là. Ouais, ça, par contre, c'est pas mal, ouais. Vas-y. Après, ici, on a un pied à terre, hein. Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal si on veut. Ah, il y a des arbres pétrifiés, ici. Ouais. Ah, je les avais pas vus, moi, encore. Pose-l'encre. Allez mec. Mais je sais pas, je clique dessus, le mec, il est en train de courir. Ah ouais, mais mec! Oh non! Ah, le bateau il fuit! Bah, faut que tu mettes un patch que j'ai crafté là. Putain. Oh oh! C'est bon. T'as mis le petit. Je sais pas. Faut vraiment un patch? J'ai mis une planche, mais ça a pas suffi. Non, faut que tu mettes le petit patch que j'ai crafté, les 5 là. Putain. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah fais gaffe mec avec l'encre, hein. Faut vraiment que tu sautes. Ah j'étais... Honnêtement j'ai cliqué dessus, il marchait en mode... Bon allez vas-y, on récupère les planches ou pas du coup? Bah on verra, on va descendre plus bas. Bon vas-y. C'est con, j'ai utilisé une planche pour rien en plus. Descends la voile, tourne la voile. Parce qu'en plus ça se fait pas instantanément, tu vois. En fait je clique une fois dans la direction et après lui en fait ouais. Il tourne la roue. Bah écoute, quand j'ai cliqué sur l'encre, il a un peu marché, putain, fais chier. Attention qu'on s'approche encore des ouais. Terres. À mon avis, attends, ouais, tourne un peu, voilà. Bah, c'est bien de longer la terre, parce que du coup, on n'est pas... Alors, par contre, ouais, niveau bouffe, je sais pas si on arrivera jusqu'au bout. Hein. Je sais pas trop non plus, en vrai. Comment? Tu prends le bois lequel? Ouais, je prends le bois. Ah, lequel qu'on va être... Oh, tu mets du feu? Bah fuck le kelp hein. Vous pouvez mettre deux voiles pour aller plus vite. Oh, bah c'est aussi une voile de rechange pour un des boss. Mais c'est plus pour aller plus vite. Ok, bah, cool. Là il y a le bois, tu prends le bois et puis après ouais. Mets l'encre au moment où on arrive là sur le bois. Vas-y, ouais. Mets l'encre. Ah oh, oui, je savais pas où t'étais, je te voyais pas avec la voile. Je t'en panique, il est où? Ouais sauf que là je vais pas pouvoir descendre. Enfin, on va pas pouvoir descendre, pardon. Oui, t'inquiète. Je vais nous rapprocher tranquillement avec l'ancre, ça va le faire. Je fais mon petit créneau, là. Ouais, allez, vas-y. Pip. Non, Ouais. Ok, moi j'ai que dalle. Hein. Petit coup de gloomer, tu sais quoi? Ouais, alors vas-y, gloomer. L'algue, je mets dans le frigo, hein, ok? Ouais. Parce que alors, la bouteille. Faut que je regarde, hein, mais. Bon, petit coup de pression quand même, hein, je te vais pas te mentir. Hein. Il me semble que. Je redis un peu ce que j'ai vu, mais. Je nous crafte les pagaies upgrade, ça te va ou pas? Ouais. Descendez la voile. On l'a pas descendu? Ah merde. Attends. Pousse-toi! Ah oui, mais je peux pas! Attention, hein, ouais. Ok, c'est bon, c'est crafté. Ouais.
Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas descendu la voile. Et du coup, ça bouge, c'est ça? Ouais. Même si ça bouge qu'un peu, ça bouge. Attends, j'ai une torche, j'y vais dans ce cas-là. Ouais. Déjà, je vous avoue. C'est pas tout qui se casse. Bon, bah, bisous. Tu déconnes? Quoi? bisous, ouais, c'est le mot. Comment je fais pour retourner dessus? Oh putain! Oh mon dieu. Non! Je peux pas retourner sur le bateau, mec. Oh! Comment on fait? Si on fait un kit de bateau simple avec juste les pagaies, on peut peut-être le rattraper? Ouais. Tu tiens de te gaver ou? Attends, j'attends qu'il fasse jour pour te rejoindre. Je peux pas. Attends, je regarde si à un moment donné le terrain change un peu. Putain. Je peux pas. Les bouteilles avec l'ermite. Ah, ok. Comment t'as? Arrête tes conneries. Comment t'as fait? Non mais attends, attends, mais non, mais comment t'as fait? Avec la Walking Cane, mec, j'ai fait un jump de Jaja. Ah attends, Walking Cane, vas-y. Ah oui, avec la Walking Cane, ça marche. Y'a les... Hey, comment ça se passe? Non. Y'a les Hounds, vas-y, rentre, parce qu'ils peuvent nager. Vas-y, viens. Pourquoi y'a les Hounds? Mais t'entends pas? Non. T'entends pas les clébards? Non. J'entends une musique. Attendez. Le chat, vous avez entendu les chiens ou pas? Ah, c'est bon, je les entends. Ah. Ah bah tiens, ils sont là. Tu les entends ou tu les vois? Parce que t'as vu, ils vont dans l'eau, donc... Je les ai pas entendu. Je pense qu'ils nageaient, du coup, on les a pas entendus. Oh là. Ça s'arrête jamais dans ce jeu, ça s'arrête jamais. Les gens là, ça s'arrête jamais. Non, alors du coup, en fait, je pense qu'avec la Walking Cane, je sais pas pourquoi, mais tu fais des giga jumps. Bah ouais, mais heureusement que tu l'as découvert, parce que moi, j'arrivais pas à y retourner et... Ah, moi, je l'ai tenté en mode YOLO, hein. J'ai cliqué dessus en mode vas-y. Oh, puis laisse tomber, refaire un bateau, ça prenait des ressources, hein. C'était pas un truc qui se faisait comme ça, hein. Ça y est, ils ont tous cramé. Ouais, franchement, les buffalo, c'est juste la vie, hein, mec. Hein. Et en plus, ça nous fait de la viande pour aller crafter. Hein. De la bouffe. Hein. Ouais. Bon, et puis l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à recrafter un bateau. Oh la vache. Franchement, recrafter un bateau, là. Ok, moi, il faut que je bouffe. Ma sanity, elle est very bad, hein, par contre. Hein. Eh ben, on échange de chapeaux. Ah, mais non, je suis con, c'est ça, justement. Attends, non. Non, il y a encore des chiens. Je disais aussi, je faisais pas beaucoup, hein. Non, je suis con, il faut que j'aille le crafter, le chapeau. Il attaque Chester, faut que tu cours. Ouais, mais j'arrête pas, et c'est chiant. Putain, quand t'as Chester, ça aide pas, en fait. Ah, vas-y, venez mettre un crow là, sinon je joue au niveau des pièges, hein, honnêtement. Hein. C'est vrai que j'ai fait un saut olympien. Non, mais le jump était assez impressionnant. Que je suis arrivé devant Weta, je suis sûr à ce moment-là, il m'a regardé, tu sais. J'imaginais comme dans un film au ralenti où je m'envole et il fait waouh au ralenti, tu vois. C'était pareil. Non, à ce moment-là. Je vais sauver le bateau. À ce moment-là, j'étais en mode pourquoi il y arrive et pas moi? C'est quoi ces conneries? J'étais blasé en mode mais comment c'est possible, tu vois. Ouais, j'étais là, tu vois, les deux, les têtes. Ça marchait pas en marchant, par contre? Comment? Ça marchait pas en marchant? Sans Walking Cane, j'ai pas réussi à aller sur le bateau. Ah, ok. Par contre... Bah, c'est bon à savoir, en vrai. Hein. Par contre, quand je me suis équipé de la Walking Cane, j'ai réussi à te rejoindre. No sous ça. Ouais, tu ok. Vois. Bah, ça, c'est bien à savoir, hein. Putain, même, j'ai pas... Tiens, d'ailleurs, j'étais un Maga Pagay de l'infini. Eh, tu sais que la Pagay, elle fait 17 damage. Quoi? Je suis en train de regarder. La pagaie, là, elle fait 17 de damage. Tiens. Ah, mais c'est nul, en fait. Ouais, 17. Ouais, c'est nul. Je viens de voir aussi. J'étais en mode, bah attends, une lance, c'est 34. Ouais, ok.